Bonjour tout le monde. Bon, je vous fais une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. À la base, je voulais la faire sur les échos de Nialota, sur le farming des échos, ce qu'il y a de plus rapide. Et en fait, je me suis dit que j'avais besoin d'un service qui est disponible sur le jeu, qui est très très peu connu. J'ai même regardé un peu sur YouTube, il y a personne qui en parle. Et il y a des personnes qui ne savent même pas que ça existe. Alors je me dis que bon, c'est une vidéo bonus, voilà, je compte le faire, on peut le faire qu'une fois toutes les deux semaines, alors je me suis dit bon bah c'est l'occasion, j'en fais une courte vidéo, comme ça vous verrez comment ça fonctionne. Le thème de la vidéo, c'est comment on récupère un objet qu'on a des sur World of Warcraft, bien sûr, bah voilà. Donc ce que vous faites, vous allez sur l'URL que je vous donne, ok, donc vous allez sur ce lien là, il est en bas, il est en description là, donc vous cliquez dessus. Sinon vous allez simplement sur le site de WoW, et donc c'est EU Battle.net, support FR Restauration Characters. Bon, suivant si vous jouez sur un RIDMF français ou pas, ça sera différent, mais peu importe. Vous allez sur cette URL-là, où vous tapez WoW récupération d'objets, ça sera le premier lien sur votre ami Google. WoW récupération d'objets, attention, c'est très compliqué, WoW récupération d'objets. Et là, bim, prenez le premier lien, faites, récupération d'objets dans World of Warcraft, mais voilà qui m'intéresse. Et bim, là, vous allez donc commencer la récupération d'objets. Et là, bah, il vous dit que c'est disponible qu'une fois tous les 15 jours et tout, donc profitez-en bien, vous choisissez ensuite votre personnage. Dans mon cas, Isondre, dans mon cas, il s'agit de Naxiva, elfe de la nuit voleuse. Et là, vous allez voir l'interface, elle est magique, ils ont fait ça bien, il y a un petit développeur, il a même mis l'icône de l'objet. Et là, vous avez la liste de tous les objets que vous avez d'aide, et vous pouvez les récupérer. Donc là, vous voyez, 124 pages. Ouais, est-ce que j'ai farmé des expulsums? Peut-être que oui. Peut-être que oui, donc dans mon cas j'ai envie de récupérer les épaules hein, parce que j'ai envie de jouer à Rogue hors la loi et voilà, bon voilà j'ai les aides, j'ai oublié que j'avais une autre spé que je voulais faire et bon voilà j'ai les aides. Du coup ce qu'il vous dit c'est que ça m'avait donné ces composants là. Donc 200 résidus de titan, un expulsum, 3 pots des tempêtes, 2 pots des nanas et 2 eaux calcifiées. Donc il faut leur rendre la monnaie qu'on leur a donnée, ok. Donc vous cliquez sur suivant, résumé de la récupération d'objets. Vous faites ça, vous faites récupérer les objets. Et là, normalement, il va checker si vous avez bien ce qu'il faut en stock. Sinon, il va vous dire, hey, il manque tel ou tel objet. Donc là, moi, ça a l'air d'être bon. Réussite, relevez votre courrier en jeu pour récupérer votre objet. Donc, vous avez vu, vous pouvez choisir votre objet. Il faut bien avoir les composants. Et vous pouvez le faire qu'une fois toutes les deux semaines. Il vous suffit d'aller sur ce lien sur le site web. Ensuite, vous retournez tranquillement sur votre petit jeu. Vous allez dans votre boîte d'objets. Dans la boîte aux lettres, pardon. Tac, tac, tac. Et normalement, tout va bien. À 600 skill tel, vous avez récupéré votre objet. Et voilà, donc vous cliquez, tac, 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 et on a récupéré notre petit objet. Et donc désormais, on peut faire notre spé hors la loi sur le voleur. Et on pourra vous faire des vidéos sur l'aspect hors la loi. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est important. Bon voilà, la vidéo était très courte. C'est juste pour vous dire, ça existe. Voilà comment faire, voilà les prérequis. Si ça vous a été utile, évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, ou simplement vous dire que ça vous a été utile dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, et la prochaine vidéo, c'est sur les échos de Nialota. Stay tuned.